André rejoint son frère Jean à la gare. Arrivé à la caserne, ils reçoivent leur paquetage. Bientôt, les deux soldats sont envoyés au front. Quelques mois plus tard, sur la colline de Lorette. Mon cher André, j'attends de tes nouvelles. J'espère que tu es toujours en bonne santé. Chez nous, tout continue d'aller bien. Alice se porte bien et nous t'envoyons toutes les deux de bons baisers. Ta femme qui t'aime, Madeleine. Alice veut t'écrire un mot. Cher papa, nous sommes toujours en bonne santé. Maman demande si tu as encore du papier pour toi écrire et je suis bien contente que j'ai reçu 3 images à l'école. Ta petite fille qui pense toujours à toi, Alice. Ma chère Madeleine, je t'écris pour te donner de mes nouvelles. Hier soir, vers 19h, mes camarades et moi commencions la soupe. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde, alors on a partagé nos parts qui étaient déjà maigrelettes. De la boue partout dans les tranches et des bombardements continuels, c'est intenable. Je donnerais cher pour être loin d'ici, enfin, espérons quand même. Je suis heureux de t'écrire, ces temps-ci, le courrier se fait rare. Je te demande pardon de ne pas être à tes côtés dans les moments aussi durs et que tu doives élever notre fille toute seule. Je suis désolé. Bonne nuit, ma petite Madeleine. Embrasse bien fort notre petite Alice, et surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Rassemblement ! Le jour se lève, il fait froid et la tension est palpable. L'assaut va débuter, il est 8h. Les hommes sont là, André, son jeune frère, Jean, Julien, Louis et leur officier, Guillaume. C'est l'heure, nous allons lancer l'attaque et c'est un honneur de mourir pour notre pays. Mais c'est la mort certaine. Peut-être, mais c'est un honneur de mourir pour notre patrie. On parle, mais la France attend toujours d'être libérée de ses chiens de Boche. André a raison. On est face à des mortiers et des mitrailleuses. Tu crois qu'on va serrer la main aux Boches? Si on doit crever, autant que ça soit en défendant la patrie. Allez, courage les gars. Taisez-vous, préparez-vous. Baïonnette au canon! Thank you.
Bonjour Madeleine, bonjour Alice. Bonjour. André, c'est difficile à dire. Monsieur regrette d'annoncer la mort de ton frère. Comme il a dit dans cette lettre de son ex-sergent, il est tombé au combat malheureusement. Dans l'honneur, pour la France, mes condoléances. C'est le 27 juin, à 8h du matin, que Jean était mortellement frappé d'une balle dans le cœur au moment où il accomplissait son devoir. Il était très courageux et très estimé de ses chefs. Voici les bien tristes nouvelles que j'ai à vous apprendre. Je préfère rester seul. Lorette, nom sinistre évoquant des lieux d'horreur et d'épouvante. Lugubre bois, chemin creux, plateau et ravin pris et repris 20 fois, et où pendant des mois, nuit et jour, on s'égorgea, se massacra, sans arrêt faisant de ce coin de terre un vrai charnier humain. Ici, dans la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, la plus grande nécropole militaire française, reposent les corps identifiés de 20 000 soldats et les restes de près de 22 000 inconnus répartis dans 8 ossuaires, sur lesquels veille une tour lanterne haute de 52 mètres. Nous sommes fatigués, très fatigués, d'autant plus fatigués que nous supportons une période de mauvais temps qui rend la vie extrêmement pénible. Aux tranchées, de la boue partout. L'hiver dernier, à Lorette, notre situation sur le sommet du plateau nous favorisait. Cette fois, ce sont des boyaux pleins d'eau, des abris inutilisables, des tranchées qui s'écroulent. Les chasseurs, leur courage, leur entrain superbe qui résistait aux obus, aux plus ardents bombardements, n'ont pas résisté aux intempéries. Il n'y a même pas à pleurer, puisque cela mouillerait davantage. En cette année du centenaire, un mémorial doit sortir de cette terre martyre d'Artois. Un anneau de la mémoire sur lequel seront gravés les noms de 600 000 soldats de tout pays, sans distinction de grade ou de religion, tombés sur les champs de bataille de la région. Le lieutenant en place du 44e bataillon de chasseurs à pied immortalisa un lilas blanc qui avait étrangement fleuri dans les décombres du village de Carency, situé non loin d'ici, en écrivant ce poème. Le village n'est plus qu'un amas de décombres, chaos sans nom, peuplé de pans de murs noircis, seul un chat efflanqué rôde encore, comme une ombre, dans ce que fut, jadis, le riant Carency. Longtemps on s'est battu, sans trêve ni merci, à tous les carrefours, l'on voit des croix sans nombre, Français et Allemands sont confondus ici, et dorment leur dernier sommeil sous l'herbe sombre. Le village n'est plus qu'un immense ossuaire, tout semble anéanti pour toujours par la guerre, et, pourtant, près du mur, un arbuste tremblant. Montre de frais bouquets, dans sa verte parure, plus forte que la mort, l'admirable nature a fait sur tant d'horreurs fleurir un lilas blanc. Français et Allemands sont confondus ici. Après deux guerres mondiales, la réconciliation franco-allemande s'est faite amitié, et aujourd'hui, l'Union européenne est porteuse d'une espérance, celle d'une paix durable. Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civlots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.